Milondona bavara bina amelenge uku ebin bina kol timbi gikwati akala isara kala kol mateto so iguna shanche igingenja ilondona gere ina amelenge isara langu sena lekele sena shanche ni a isigna ndapreto so isigi madushina yanga da kiso e bali yanga da madusha wi atroyer na gwe nengwa ikpe de jour na yati pere bina amelenge gunja papikai inga ndogya pela mbeni mera wara ila mui la gana ina bozum. Le bénéficiaire arrive là, c'est le point de sensibilisation et le point d'appel. Une fois que le bénéficiaire est appelé, il monte, signé sur la liste des bénéficiaires. Donc une fois que son nom est trouvé, il va signer et il va monter dans la salle pour recevoir l'assistance. Donc c'est 50 000 francs par ménage. Il quitte la salle, il vient au point de sensibilisation ici. Ça c'est exactement le moment pour lui expliquer comment il va utiliser l'argent. Malheureusement, la situation humanitaire à la République centrafricaine s'est dégradée pendant les derniers mois, notamment après 2020, avec une augmentation très notable des numéros de déplacés. Et ça a mis la responsabilité des acteurs humanitaires, notamment les HRM, à avoir la capacité de servir et de livrer pour ces populations. Et grâce au soutien de notre bailleur, on a été capable d'avoir les ressources, la capacité d'arriver à tout le monde malgré la COVID-19, qui aussi a été un problème qu'on a eu pendant l'année. La stratégie critique de RRM, c'est avoir une réponse très rapide pour arriver rapidement aux populations, mais avoir une connexion avec les autres partenaires pour garantir que les services ajoutés sont là-bas, soit la nutrition, soit l'éducation, soit la protection, soit la santé. Alors, avec des équipes mobiles ou des autres mécanismes pour garantir que la réponse immédiate ne s'arrête et continue avec les autres interventions. Membikir mesi na ICF na ICF sa ede na ginjati tene ifo bongo na am tereta melenge ifo ko be ipi ifo drana kunjati tene melenge na lango da tene ndwa te si wara lege ipi bikir na ko drose ilondo da si. L'ARM est basé fondamentalement sur le partenariat, sur la confiance et sur la capacité conjointe de la communauté humanitaire de répondre aux défis dans le pays.